Connectez-vous rapidement, connectez-vous, chers frères et sœurs. Vous qui êtes déjà là, je vous salue depuis vos différents bords, je vous salue depuis vos différentes positions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cet début de semaine. Nous sommes évidemment aujourd'hui lundi 31 juillet 2023. Que Dieu soit avec vous, qu'Allah vous assiste dans cette nouvelle semaine qui vient juste de débuter. Voilà, donc partagez-moi massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, parce que actuellement où je suis donc en train de vous parler, il faut dire que l'Afrique est en alerte. L'heure est très grave et plus que jamais comme ça, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Nous sommes à la fin d'un combat. Nous sommes en train d'aller remporter cette guerre. Mais cette guerre, l'Afrique va avoir besoin de tous ses enfants. Aujourd'hui, c'est main dans la main, c'est ensemble qu'on pourra en tout cas vaincre. Cet ensemble Afrique des libertés, qu'on pourra comme ça mettre à terre ce système. C'est ensemble qu'on pourra former le bloc. Ce bloc-là pour aller contre le néocolonialiste. C'est pourquoi Afrique des libertés, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un instant. Ça, c'est la petite parenthèse. Voilà. Pour mener donc ce combat Afrique des libertés, on a besoin comme ça de vous tous. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans ce combat final. On a besoin de tout le monde. C'est pourquoi tous, vous devez participer, quelles que soient vos différentes positions. Aujourd'hui, oui, votre humble serviteur, Amirak Bafé, qui n'a jamais demandé, en tout cas, que vous participiez, que, en tout cas, vous cotisiez pour quoi que ce soit aujourd'hui-là. Votre humble serviteur vous le demande. Parce que tout simplement, pour mener ce combat, il faut aussi des moyens. Et vous savez bel et bien que ce combat demande en tout cas assez de moyens. Alors, il faut aider nos frères et sœurs qui sont au front. Il faut aider nos frères et sœurs qui doivent se déplacer. Il faut aider tous ces panafricains qui sont dans nos contrées, qui sont en train de se battre avec leurs maigres moyens. J'ai décidé en tout cas de lancer cette cagnotte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez donc dans la description de cette vidéo, il y a un lien PayPal. Faites un don, tout simplement un don. Mais j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas obligatoire. Mais si vous vous sentez africain, si vous savez que vous êtes africain dans mes consciences, que vous avez besoin de participer, d'aider à ce que ce combat puisse aboutir, faites un don tout simplement. Faites un don tout simplement à ce lien qui est dans la description de cette vidéo. Si donc vous êtes fatigué de voir vos frères et soeurs aller mourir dans la Méditerranée, si vous êtes fatigué de la France, de tout ce que la France est en train de faire subir à l'Afrique, faites un don pour que nous puissions aider nos frères et soeurs qui sont au front. Nous sommes actuellement ici une famille de près de 69 000 abonnés. Même si 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000 personnes peuvent, il ne serait-ce que donner 1 euro. 1 euro. 1 euro ou 2 euros, ça dépend de vous. En tout cas, faites un don pour que nous puissions aider nos frères et soeurs parce que on sait ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas facile, c'est tellement difficile. On a besoin des moyens. Ils ont besoin des moyens. Aider nos frères et soeurs à libérer l'Afrique. Le slogan de ce don, c'est tout simplement, je fais un don pour sauver l'Afrique. Je fais un don pour sauver l'Afrique. Allez-y faire votre don pour sauver l'Afrique. Le lien sera toujours dans la description de toutes nos vidéos que maintenant nous allons balancer. Faites un don pour sauver l'Afrique. C'est très important, c'est très capital pour la survie en tout cas de notre continent. D'ailleurs, j'aimerais dire merci d'avance à ces personnes qui feront les dons. C'est très important et c'est très capital. Alors, sur ce, on va donc rapidement, Afrique des libertés, rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur notre continent? L'heure de la révolution, l'heure de la libération a sonné et nos ennemis ne sont pas d'accord, nos ennemis ne sont pas pour. Mais nous, on n'a que faire. C'est pourquoi, très très rapidement, Afrique des libertés, on va se rendre au Niger où les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. On va se rendre au Niger pour vous dire que la France échouera et la CDAO, en tout cas, ils vont échouer parce que ça ne va en aucun cas avoir lieu leur histoire de vouloir imposer Bazoum au Niger. On va donc rapidement écouter cette vidéo et vous verrez que nos ennemis
ça ne va plus. Et un par un, ils sont en train de couler, ils sont en train de sombrer. Le tour de Draman Ouattara arrive. Écoutez cette vidéo très capitale et très très intéressante. On y va. Vas-y, parle, le frère. Ils ne pourront pas arrêter ce direct. Je vous en poursuivez. C'est un direct de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je parle au nom de Dieu et je parle pour Dieu et je mène le combat de Dieu. Je suis contre l'homosexualité sous toutes ses formes. Et quand un président maudit se livre à ce jeu, alors que Dieu frappe son pays, je vous en prie, Sidiaou, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. N'attirez pas la colère de Dieu sur vous, Sidiaou. Faites beaucoup attention. Parce que vous n'êtes pas loin de voir la colère de Dieu s'abattre sur vous. Alors, je reviens encore en arrière. Rappelez-vous quelque chose. Le président Vladimir Poutine. Donne-moi une seconde. Il y a un maudit qui est là, là, que je dois dégager. Le président Vladimir Poutine. Le président Vladimir Poutine, il a dit, je demande à Bachili et à Angouiba vraiment de veiller au gré rapidement. Le président Vladimir Poutine, il a dit, lorsque le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, au début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, ils ont dit qu'ils vont mettre l'économie de la Russie en genoux. Vous vous rappelez? D'accord. Le président Poutine a répondu, il dit, je vais détruire la France. Je vais détruire l'économie de la France sans tirer une seule balle. Vous vous rappelez de cela? Beaucoup de gens oublient vite. Poutine dit, je vais déstabiliser l'économie de la France sans tirer une seule balle. C'est pas ce qu'on est en train de vivre là. Ça, c'est le deuxième élément que je voulais apporter. C'est le deuxième élément que je voulais apporter. Poutine dit, je vais saboter l'économie de la France sans tirer une seule balle. Je vais mettre l'économie de la France à genoux sans tirer une seule balle. La France perd le Mali, la France perd le Burkina, la France perd le Niger, c'est fini. C'est fini et c'est fini. Attendez. Il y a un fils de bâtard qui est ici, là, on va le dégager, souris quoi, là même, il va partir. Alors donc, c'est important. Gardons ça en esprit. Je vais déstabiliser l'économie de la France sans tirer une seule balle. Dans le Sahel, il suffit que je rentre dans le Sahel pour que ce soit fini pour la France. Voilà deux grandes choses que vous ne devez pas oublier pour comprendre ce qui se joue au Niger. Ce Poutine a dit, je vais détruire l'économie de la France sans tirer une seule balle. Le capitaine Traoré dit avant-hier à Poutine, il y a des sanctions, fais attention, je viens te confier le Niger. Je viens mettre le Niger entre tes mains. Fais attention. Parce que c'est parce que le Niger a vu les avantages et les actions bénéfiques de notre coopération. Le Mali et la Russie, le Burkina et la Russie. Voilà pourquoi le Niger a osé. Donc, tu dois mettre en esprit que le Niger sera attaqué. Donc, sois prêt pour soutenir le Niger. Mais Poutine ne viendra pas étaler devant nous ce qu'il va faire. Poutine a déjà pris contact avec les autorités du Niger, l'ambassade de la Russie au Niger. Ils ont déjà échangé, donne-moi une seconde, l'ambassade du Niger, l'ambassade de la Russie au Niger. Ils ont déjà pris des dispositions, ils ont déjà parlé. Est-ce que des armements sont en cours d'acheminement? La Turquie est là, l'Iran est là, le Brésil est là, l'Afrique du Sud est là. Donc, le Niger ne sera pas seul dans ce combat. Le Niger ne sera pas abandonné à son sort. Nous mènerons ce combat aux côtés du peuple du Niger. Voilà les révélations d'abord que j'ai voulu faire sur le plan spirituel et puis sur le plan géostratégique par rapport à la Russie. Maintenant, revenons au niveau du Niger. La CEDEAO croit que, en voulant s'attaquer au Niger, c'est les militaires qui vont, ils sont tellement bêtes dans leur calcul, c'est les militaires qui vont attaquer. Ah non. La population civile, il y a des Nigérians dedans. Donc la CEDEAO dit, Alassane Dramane Ouattara dit, Patrice Talon dit,
Et Macky Sall dit, on va tuer les Sénégalais qui sont au Niger, c'est pas un problème. Tant qu'on peut mettre Bazoum au pouvoir pour faire plaisir à la France, on peut tuer les Nigériens qui sont là-bas, c'est pas un problème. Tant qu'on peut mettre le rebelle Bazoum au pouvoir pour faire plaisir à la France, on peut tuer les Ivoiriens qui sont au Niger, c'est pas un problème. On peut gérer ça. On va tuer 200, 300 civils, on peut faire des communiqués, ce sont des victimes collatérales. Voilà le discours d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu ce que Chris Yapi a dit la dernière fois à ce sujet. Donc, quand on en arrive à ce point, on se pose la question. Quand on arrive à ce point, on se pose la question. Quelle est la mentalité? Quelle est l'essence de la CEDEAO? À quoi sert la CEDEAO? Quels sont les objectifs de la CEDEAO? Quels sont les enjeux de la CEDEAO? Mais alors, la CEDEAO permet à des présidents criminels tels que Macky Sall d'arrêter des opposants, les mettre en prison, et organiser des procès lapidaires, des arrestations extrajudiciaires, des emprisonnements extrajudiciaires. Le Sénégal peut le faire, la Côte d'Ivoire peut le faire, la CEDEAO trouve que c'est normal. Mais attention, avant que le général ne soit général des forces armées du Niger, il était d'abord fils du Niger. On est d'abord né fils du pays avant d'être soldat. Moi, je suis d'abord malien avant d'être celui que vous dites que je suis, ou celui que vous pensez que je suis, ou celui que je dis que je suis. Je suis d'abord malien. Je suis d'abord malien. Je suis d'abord nigérien. Je suis d'abord burkinabé. Je suis d'abord sénégalais. Je suis d'abord ivoirien avant de porter la tenue. Alors, vous dites que ceux-là, ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas les enfants du pays, c'est leurs parents qui meurent. C'est leurs frères qui meurent. Et vous dites, ils n'ont qu'à fermer les yeux, ce n'est pas leur rôle. Alors, l'Union africaine, qui ne peut même pas financer son propre budget, l'Union africaine qui n'a même pas les moyens de sa propre politique, dit qu'elle donne 15 jours aux militaires au pouvoir. La CEDEAO dit qu'elle donne 10 jours aux militaires. Voilà ce que je vais demander. Voilà ma proposition. Voilà ce que je propose. C'est une mesure drastique. Ça n'engage que moi. Monsieur les autorités de la transition du Niger, je fais mes interventions en français, c'est dans l'optique que la grande majorité du peuple du Niger comprenne ce qui se joue. Vous comprenez? Donc nous sommes, pour nous c'est fondamental, donnez-moi une seconde, pour nous c'est fondamental, parce que c'est important pour nous qu'on nous comprenne, c'est pourquoi je le fais en français. Si la CEDEAO décide d'attaquer, j'espère que d'ici là, peut-être, et je demande d'abord aux autorités de refuser, d'abord qu'ils maintiennent la fermeture des frontières. J'insiste, que les autorités maintiennent, s'ils avaient l'intention de lever ça dans 2 ou 3 jours, qu'ils maintiennent la fermeture des frontières au moins jusqu'à 1 mois. Au moins jusqu'à 1 mois. Ensuite, aucun membre d'une représentation diplomatique de la CEDEAO ne quittera le sol du Niger. S'ils veulent tuer des Nigériens, s'ils veulent tuer des soldats nigériens, ils seront obligés de tuer leurs propres représentants. Donc, je demande aux autorités de ne pas laisser sortir du Niger même pas l'ambassadeur d'un pays de la CEDEAO. Même pas le petit et planton, même pas le chauffeur. Ils maintiennent tous les représentants des représentations diplomatiques, ambassadeurs, consulaux, attachés. Ils les maintiennent tous au Niger. Personne ne sort. Je parle bien de la CEDEAO et puis de la France. Aucun membre de l'ambassade de France ne doit quitter le territoire du Niger. Aucun membre d'un consulat
ou d'une ambassade de la CEDEAO ne doit quitter le Niger. Vous les maintenez tous au Niger et vous les rassemblez au niveau de vos différents camps militaires. S'ils veulent bombarder, ils n'ont qu'à les bombarder là-bas. Voilà mon plan. C'est pas midi, c'est simple, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur plan. Si le Nigeria veut bombarder, il va tuer son propre ambassadeur. Il va tuer d'abord. Il croit que quoi? Que c'est eux là qui sont durs. Il croit que nous, on n'a pas les idées. Il croit que nous allons nous asseoir et puis les... Hey, autorité du Niger, je répète, ne laissez sortir aucun ambassadeur, aucun représentant diplomatique, que ce soit ambassadeur, que ce soit consul, que ce soit attaché de presse, que ce soit attaché de sociaux, même secrétaire, ne les laissez pas sortir. Vous les maintenez tous sur le sol du Niger. S'il y a une intervention, et puis vous devez les éparpiller sur l'ensemble des différents camps militaires au Niger. Vous les faites sortir de chez eux, et puis vous les éparpillez dans les camps militaires et à la prison. Maintenant, si la CEDEAO veut attaquer, on va voir comment la CEDEAO va attaquer. Et ça, c'est la première partie de mon plan. Est-ce que c'est ça le premier? Non. Je viens. Ils n'ont pas encore pris sanction. Ils disent, ils donnent 10 jours. Donc, dans 10 jours, vous regroupez tous les représentants de la CEDEAO, tous les diplomates, tous les attachés de la CEDEAO. Vous les mettez tous ensemble. Et puis, vous les prenez, vous les déposez dans votre camp militaire. Vous attendez la CEDEAO. Ça, c'est la première partie de mon plan. La deuxième partie, vous demandez à la population de rester éveillée. Que la population reste dans la rue jusqu'à ce que le coup d'État soit définitivement, jusqu'à la démission de Bazoum. Que la population du Niger, les jeunes ne dorment plus à la maison. C'est pourquoi je vous demande pardon, envoyez ma vidéo sur l'ensemble du territoire du Niger. Envoyez ma vidéo à la présidence. Envoyez partout. Que les jeunes gens ne dorment plus chez eux. Qu'ils restent dans la rue jusqu'à ce que Bazoum démissionne. Parce que s'ils veulent intervenir, c'est parce que Bazoum n'a pas encore démissionné. Et ensuite, ils font sortir Bazoum du palais. On sépare Bazoum et sa famille. On amène sa famille dans un endroit sécurisé. On amène Bazoum dans un camp militaire. On le fait sortir du palais. On fait sortir Bazoum du palais. On fait ce qu'on a fait à Alpha Condé là. Ce qu'on a fait à Ibeka là. Paix à l'âme d'Ibeka. On le met Bazoum dans une situation où il va commencer à comprendre. Et puis on met la télé devant lui. S'il y a intervention, il va regarder la raison pour laquelle et c'est à cause de lui il y a intervention. Et maintenant, là, si on lance, vous le prenez, vous le mettez lui-même devant. Bazoum est devant. Les représentations, les représentants, les ambassadeurs de la CEDEAO, les consuls de la CEDEAO, les attachés de la CEDEAO qui sont au Niger avec Bazoum, vous les prenez et puis vous les mettez devant les canons de la CEDEAO si jamais la CEDEAO veut intervenir. Nous, on ne parle pas de guerre. On dit, je donne un plan drastique pour empêcher la guerre. C'est la CEDEAO. Et c'est là le monde va regarder la CEDEAO. C'est là le monde va savoir si le président, là, il est vraiment bête comme je le dis, ou bien s'il n'est pas bête comme je le dis. C'est là le monde va regarder qui il est. Pour la première fois en Afrique, si vous avez vu qu'ils ont tué Kadhafi, parce qu'à l'époque de Kadhafi, Kadhafi, il n'y avait pas ce que nous on a aujourd'hui là. Kadhafi n'a pas eu la chance. Ce que Ibrahim a, parce que Ibrahim nous a, Assimi nous a, le général, j'oublie son nom là. Nous on a avec eux, mais Kadhafi n'a pas eu cette chance. Bachar al-Assad n'a pas eu cette chance. Heureusement, à la dernière minute, il a signé un accord de défense avec la Russie est venue le soutenir. Et j'invite rapidement les autorités du Niger, dans les 10 jours à venir, rapidement redénoncer l'accord de défense avec la France et rapidement rendez-vous en Russie pour signer un accord de défense rapide par rapport à la livraison d'armes, par rapport à la formation, par rapport à l'équipement. Que la Russie commence à débarquer les avions tout de suite au Niger. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Et demandez, signez un accord de défense provisoire. Si le Niger est agressé, la Russie intervient. Donc, Afrique de liberté, c'était
L'intervention de Keïta Chekouma, proche de M. Guillaume Akibafori Soro. Voilà, il est cadre de GPS. Alors, donc, voici ce que la CEDEAO, voici ce que l'Union africaine, voici ce que, c'est-à-dire, ces institutions de MED-là, en accord avec la France, ont décidé de faire. Mais c'est nul et sans effet. Et ça, là, ce n'est pas un débat. Afrique de la liberté, dans cette vidéo, je ne vais pas trop intervenir. Je vais tout simplement encore vous rappeler que ce combat a besoin d'énormément de forces et aussi de moyens. Voilà, donc, on vous prie de faire comme ça un don. Faites un don pour sauver l'Afrique. C'est le slogan de ce don, c'est très important. Donc, allez-y massivement. Vous êtes près de nous sommes une famille de 69, 70 000 abonnés actuellement. Même si 3 000, 4 000 personnes, ne serait-ce que 1 euro, ça peut faire quelque chose. Donc, tous ensemble, sauvons l'Afrique avec un don. Allons-y faire un don pour sauver l'Afrique. Alors, merci à tous ceux qui étaient connectés, merci à tous ceux qui étaient présents sur ce direct, merci à vous. N'oubliez pas aussi que dans cette vidéo, il y a donc un deuxième lien. Le deuxième lien, il s'agit du nouveau compte TikTok. Allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner massivement et on va commencer les directs débats. Voilà, c'est très important. Afrique de liberté, allez-y donc vous abonner massivement sur le nouveau compte Côte d'Ivoire 2020 qui est sur TikTok. Il s'agit du premier lien. Le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, c'est le lien TikTok Côte d'Ivoire 2020. Cliquez dessus et allez-y vous abonner massivement. Le deuxième lien, c'est le lien PayPal Côte d'Ivoire 2020 pour soutenir en tout cas la cause. Il faut soutenir le combat, il faut soutenir en tout cas la cause. Allez-y aussi, en tout cas, faites ce don. Il ne serait-ce que 1 euro, 2 euros, ça dépendra de vous. Donnez ce que vous pouvez et sauvons l'Afrique. C'est très important. Portez-vous bien, Afrique de liberté. Ça a été pour moi un plaisir d'être en votre compagnie en cette début de semaine. Voilà. J'allais donc oublier. Allez-y dire à Alassane Dramane Ouattara que cette intervention qu'il veut coûte que coûte mener au Niger pour réinstaller, pour imposer Bazoum au Nigérien ne passera pas. Parce que le peuple est prêt et le peuple vous attend. Le peuple du Niger vous attend. Les panafricains du Niger vous attendent. Parce que vous dites que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à frapper. Dramane Ouattara avec la CEDEAO disent que eux, leurs troupes sont déjà prêtes à frapper. Mais on vous attend. On vous attend. Ce sommet flafla qui a eu lieu là. Ce sommet flafla qui a eu lieu là, sans intérêt, qui n'a pas lieu d'exister. C'est-à-dire aujourd'hui là, nous, les panafricains, on dit, on ne reconnaît pas cette institution. Nous, les panafricains, on dit, on ne reconnaît pas en tout cas vos institutions de merde, la con. On ne reconnaît pas ça. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit, on ne vous reconnaît pas. Parce que vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes des marionnettes. Et ça là, c'est ça qui est la vérité. Vos décisions là, les Africains n'ont que faire. Ça ne pèse même plus. On s'en fout de vos sanctions. Vous pouvez sanctionner en tout cas le nombre de fois que vous pouvez. Nous on avance. On n'a plus ce temps là de regarder en arrière. Et vous serez tous boostés. Ce n'est pas un débat. Donc, les Nigériens là vous attendent. Prenez vos troupes que vous avez en tout cas concoctées là. Et puis, allez-y attaquer le Niger. Vous allez comprendre que l'Afrique, que le Niger en tout cas, ne vous appartient pas. Vous allez comprendre que l'Afrique ne vous appartient pas. Vous pensez que nous sommes dans un jeu, vous pensez que nous sommes dans un film, vous pensez qu'on va toujours se laisser faire. Vous pensez qu'on va toujours se laisser piétiner, se marcher là-dessus comme ça, sans rien faire, sans réagir. Un enfant, un petit, va s'arrêter depuis l'Élysée, va dire comme ça que lui, il est contre le coup d'État au Niger et qu'il est aussi pour les décisions que vont prendre la CEDEAO, il est pour les décisions que vont prendre l'Union africaine par rapport au Niger. Un enfant qui a échoué lamentablement, un perdu, un parvenu comme ça, un lamenté comme ça qui a échoué lamentablement.
va s'arrêter à l'Élysée, va vous donner des ordres, et vous, vous allez sortir pour venir raconter votre vie, piailler, blasphémer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ce que Macron vous a dit de dire là, allez-y dire à Macron que ça ne peut plus passer. Allez-y dire à ce petit mauvais là que ça ne marchera plus jamais en Afrique. Ça ne marchera plus jamais. Qu'il soit pour ou contre ce coup d'État, nous, on n'a que faire. Sa décision n'importe pas. Sa décision est sans valeur, sans effet. OK? Donc, allez-y dire à votre patron. Allez-y dire à ce petit, à ce gamin-là que les Africains d'hier ne sont plus les Africains d'aujourd'hui. Et que ces gens-là, en tout cas, sont prêts, sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout. Et qu'aujourd'hui, là, ces gens-là sont vraiment déterminés. Il est vraiment l'heure. Il faut reconnaître notre défaite et abandonner. Parce que là, ça peut en tout cas causer notre perte à jamais. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dramane Ouattara, ce dans quoi tu es là, c'est ça qui va t'emporter. Et ce, c'est pour très bientôt. Alassane Dramane Ouattara, ce dans quoi tu es actuellement, ou du moins ce que tu es en train de vouloir faire, il faut quitter là-dedans. Comme l'a dit le frère, comme l'a dit le papa, comme l'a dit en tout cas le doyen, comme l'a dit le combattant, le panafricain, la colère de Dieu va s'abattre sur chacun de vous, un par un. De la manière que Dieu aujourd'hui là est en train de frapper votre patron. De cette même manière qu'aujourd'hui, Dieu est en train de vraiment vider Macron de toutes ses substances, vous serez tous frappés, un par un. Ce n'est pas un débat. C'est la révolution qui est en marche. Les Africains, aujourd'hui, sont en train d'aller gagner la guerre. Cette guerre qui est de récupérer l'Afrique. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. Et plus jamais, en tout cas, vous n'allez encore venir nous tromper. Plus jamais, vous allez venir nous tuper. Plus jamais, vous allez encore vous imposer. Parce que nous sommes réveillés, nous sommes éveillés et nous sommes prêts. Même s'il faut laisser la vie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça qui est la vérité. Partager, protéger, Afrique des libertés, n'oubliez pas que c'est ensemble qu'on pourra y arriver. N'oubliez pas qu'ensemble, on pourra vraiment parvenir. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Donc, ensemble, faisons ce don. Faisons le don qu'il faut pour sauver l'Afrique. Allez-y, encore une fois de plus, je vous le demande dans la description de cette vidéo. Le deuxième lien, cliquez dessus. Allez-y, faites ce don pour sauver l'Afrique. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique a besoin maintenant de tous ses enfants pour sa libération finale. Allez-y, faites ce don. C'est très important. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est donc le deuxième lien. Le premier lien, c'est le lien TikTok. Allez-y, vous abonner sur TikTok. Le deuxième lien, c'est le lien PayPal Côte d'Ivoire 2020. Allez-y, faites votre don pour sauver l'Afrique. Ciao, ciao. Ça a été un plaisir. Et ce soir, on sera encore là pour notre direct. Portez-vous bien. Vive l'Afrique. Vive le combat. Vive le panafricain. Vive le panafricanisme. Merci à vous qui êtes présents. Merci, en tout cas, à tous nos frères et sœurs qui sont donc restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut la partager massivement. Il faut la liker. Il faut, en tout cas, partager, envoyer cette vidéo partout pour que l'information puisse arriver là où ça doit arriver, pour que ça fasse l'effet que ça doit faire. On est ensemble et ce soir, on va encore tchafoul. Votre humble serviteur, Lamrak Bafé, était sur Côte d'Ivoire 2020 et on était bien sûr le lundi 31 juillet 2023. Ciao, ciao. Allez-y, faites votre don, c'est très important. Merci.